la Haute Cour a reçu les moyens de toutes les parties sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par devant elle par le prévenu Mangatutu. Et aujourd'hui, elle va donner sa position. L'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes était constitutionnelle en ce qu'au terme de ses articles 1 et 9 qu'il met en cause, il ressort notamment ce qui suit. Article 1. Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience. S'il n'est point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain. La Haute Cour militaire constate que le prévenu honorable Mangatutu Edouard, Easy Edouard, a introduit un mémoire unique dans la forme prévue à l'article 246 du Code judiciaire militaire. Elle le déclarera recevable. Le ministère public entendu en son avis, en droit, reçoit l'exception d'inconstitutionnalité, le mémoire relatif à l'exception d'inconstitutionnalité déposé par devant elle par le prévenu Mangatutu Easy Edouard. Ordonne en conséquence la surséance de l'instruction de la cause inscrite sous RP numéro 031/23. Mission TV, le miroir du monde. Pour vous rendre des honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant de police audience, HDHF, Dombaya, Djangman. Car mon pied repose. Repose de mon général. Arme au pied. Repose. Inscrite sous RP numéro 031/2023, auditeur général, ministère public et parti civil RDC, contre Mangatutu Easy Edouard à la barre. Commissaire principal Mouchamali Roy Balike Robert, tout à la barre. Après la comparution des prévenus et celle des conseils. La Haute Cour a reçu les moyens de toutes les parties sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par devant elle par le prévenu Mangatutu. Et aujourd'hui,
elle va donner sa position. Monsieur le rapporteur va lire la motivation de la décision et j'interviendrai pour le dispositif. Et c'est au moment du dispositif que le prévenu reviendra devant la barre. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. La haute cour militaire siégeant en matière répressive, en procédure de vacances au premier degré. Dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo à Kinshasa, commune de Barumbu, a rendu et prononcé en audience publique de ce vendredi 14 avril 2023 l'arrêt suivant. En cause, l'auditeur général près la haute cour militaire, ministère public et la République démocratique du Congo, partie civile, contre le prévenu Mwanga Tchou Izzy Edouard, honorable député. 2. L'identité est donc dans l'arrêt. 2. Le prévenu Mouchamali Roi Balik et Robert, commissaire principal de la police nationale congolaise. Arrêt. Fait de la présente cause. Alors que le ministère public venait de présenter son rapport conformément aux devoirs lui prescrits par la haute cour militaire, dans un de ses arrêts avant dit droit, le président avait accordé la parole à toutes les parties pour donner chacun son avis à chaud. Prenant la parole à son tour, le prévenu Mwanga Tchou Izzy Edouard et ses conseils ont plutôt sollicité une remise afin de prendre connaissance des pièces retenues par les ministères publics comme liées au fait de la présente cause mise à charge de leurs clients et de son propre juge. Toutes les parties se sont accordées à la remise sollicitée. Par rapport aux deux demandes de mise en liberté provisoire de leur client Mwanga Tchou, reçues au greffe de la haute cour militaire et aux mémoires uniques sur exception déposées par eux au même greffe, les conseils du prévenu Mwanga Tchou Izzy Edouard ont opté pour l'exception d'inconstitutionnalité objet du présent arrêt. 1. Des moyens exposés par le présent mémoire unique sur exception d'inconstitutionnalité. En effet, arbitre, l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes était constitutionnelle en ce qu'au terme de ces articles 1 et 9 qu'il met en cause, il ressort notamment ce qui suit. Article 1. Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience. S'il n'est point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain. Pour le conclure, cette disposition viole l'article 18 alinéa 1er de la Constitution qui dispose ce qui suit. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, dans la langue qu'elle comprend. Ainsi, l'article 1er viole aussi
l'article 19, alinéa 3 de la Constitution qui prévoit que le droit de la défense est organisé et garanti. Violation confirmée, selon eux, par le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1996, en vigueur dans notre pays depuis 1976, qui, en son article 14.3, dispose que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en toute égalité, à être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. Ce concluant fait observer que l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février, autant pour nous, 1978, relative à la répression des infractions flagrantes, n'oblige pas l'organe poursuivant, le parquet, d'établir un acte d'accusation, décision de renvoi ou de traduction directe ou citation à prévenu, ou même la requête au fait de fixation, nommée dans le langage du palais de contrat judiciaire. Ce qui implique, affirme-t-il, qu'en procédure de flagrance, l'organe poursuivant est dispensé de l'obligation d'établir le libellé de prévention qui, pourtant, permet aux prévenus d'organiser et de présenter sa défense avec ses conseils. En ce qu'il précise la nature des faits répréhensibles mis à sa charge, le lieu et la date de leur commission, ainsi que le mode de leur perpétration. Le conseil, autant pour nous, a déposé au greffe de la juridiction de Séon un mémoire unique. Quant à la recevabilité du dit mémoire, la haute cour militaire constate que le prévenu honorable Mwanga Tchoutchou Edouard, Easy Edouard, a introduit un mémoire unique dans la forme prévue à l'article 246 du Code judiciaire militaire. Elle le déclarera recevable. Quant à l'examen du dit mémoire, la haute cour militaire relève qu'appelés à exposer oralement le contenu du mémoire de leur client au cours de l'audience, de la dernière audience publique, les conseils du prévenu, honorable Mwanga Tchoutchou Easy Edouard, ont soulevé devant elle l'exception d'inconstitutionnalité de deux des lois qui lui sont appliquées. Pour rappel, l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes et la loi numéro 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. Deux textes qu'il juge inconstitutionnel. Elle note qu'en le faisant, le prévenu Mwanga Tchoutchou Easy Edouard s'est conformé au prescrit de l'article 162 de la Constitution. Gardez tout. Présentez. Armez. Contradictoirement en audience publique à la majorité des voix des membres de sa composition. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 21, 149 alinéa 3 et 162. Vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Vu
la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire en toutes ses dispositions pertinentes. Le ministère public a entendu en son avis. En droit, reçoit l'exception d'inconstitutionnalité, le mémoire relatif à l'exception d'inconstitutionnalité déposé par devant elle par le prévenu Mwangachuchu Izzy Edouard. Ordonne en conséquence la surséance de l'instruction de la cause instruite sous RP numéro 031/23 et la saisine de la Cour constitutionnelle. La Haute Cour militaire a ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de ce jour à laquelle ont siégé le général de brigade magistrat Kalala Kapuku Martin, président, et elle saisit la Cour constitutionnelle. Il n'y a plus rien au rôle, l'audience est levée. Haute Cour militaire. Mon général, audience élevée. Arme au pied, repos. En conseil de mon général. Arme au pied, repos. Pendant tout ce temps, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait quand vous avez fait ça, vous avez fait ça. Moi, j'ai un peu d'antenne. Je vais rentrer à la maison. Non, moi, je voulais aller me faire son nom. Je suis en train de faire ça. C'est vrai. Ah oui. Par exemple, le pilier, la médecine. Vous comprenez ? Ça nous permet maintenant de faire asseoir la chaîne. Mission TV, le miroir du monde.